Eh bien, salut tout le monde, c'est Python Noir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite info concernant la dernière lettre du producteur qui a été éditée il n'y a pas très longtemps. Et sur cette lettre, on va plus particulièrement s'intéresser à ces deux points, donc le serveur d'accès anticipé et le serveur test public PTS. Donc alors pour le serveur, déjà on va commencer par ça. Le serveur d'accès anticipé, il va recommencer donc la phase 4 à partir du 13 août. Et ce sera du 24 sur 24 et 7 sur 7. C'est vraiment excellent. Il faut savoir que le serveur EU et NA seront regroupés pour qu'il y ait moins d'attente, je pense, au niveau des temps d'accès à une game. Donc ça sera quand même pas mal. Il risque peut-être d'y avoir un petit peu plus de latence vu que les deux serveurs seront regroupés. Mais pour les joueurs européens, je pense qu'il n'y aura pas de problème puisque le serveur est localisé en Europe. Ils auront un petit peu plus de soucis côté ANA. Maintenant, ce qui est vraiment sympathique, c'est le serveur de test public PTS qui veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Ce sera un test public, donc ouvert au public, et qui commencera à partir du 7 août, sachant que pour commencer à y participer à partir du 7 août, il vous faudra une clé d'accès anticipée que vous aurez obtenue avant le 26 juillet. Sinon c'est mort pour vous et vous devrez attendre le début de la quatrième phase pour pouvoir en profiter. Et donc ce sera ouvert comme ceci. Donc pour en profiter, voilà, ça sera comme ça. Sachant que ce serveur PTS ne sera pas autant stable et sans autant de bugs que le serveur d'accès anticipé normal. Donc ne vous attendez pas non plus à un jeu parfait. C'est bien marqué. Voilà. Donc ne soyez pas déçus. Voilà. Pour ce qui est de l'info sur Armored, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Si vous n'avez pas encore mon Facebook, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je mets des infos sur un petit peu tout ce qui se passe au niveau des jeux que je suis actuellement. Je ne suis pas non plus le gars qui va parler de tous les jeux. Et vous avez aussi mon Twitter que vous pouvez aller voir sans problème et vous abonner, ça me ferait super plaisir aussi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la phase 4 et sur les autres jeux. Allez, à plus tout le monde!